Salut, allez, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo sur Automobilista 2 et ça va être la présentation de deux contenus pour les mods. Donc ce sera un circuit avec Mugello, je vais vous montrer un petit peu où ça se trouve, et le deuxième c'est un mode véhicule qui correspond à la Renault. On va le voir directement sur les pages de téléchargement de quoi il s'agit. Alors pour le circuit c'est simple, c'est comme d'habitude, ici Project Car Modding Teams, dans l'onglet AMS2 Track. On est donc sur le bon onglet et on descend pour avoir ce nouveau circuit. Voilà, Mugello donc de layout, le court et le long. Petite chose à savoir quand vous le téléchargez, il peut être considéré comme un faux positif hein, au niveau des virus. Bon, j'ai demandé à la personne directement s'il y avait eu des choses particulières ou non. C'est pas la première fois. Hein. Sur les circuits, en tout cas d'AMS2, il y a des petits soucis de détection de virus, mais bon, vous inquiétez pas, il n'y a rien du tout. Donc je l'ai téléchargé, testé, vous verrez bien. Au niveau du véhicule maintenant. Alors pour le véhicule, on se retrouve directement in-game. Donc on avait déjà, c'est la V6. Megane Trophy, celle-ci était déjà toujours pareil au niveau des mods. Cette fois-ci, on remonte un petit peu. Voilà, on se retrouve ici avec donc la catégorie GT3 Renault Sport RS01. Et au niveau des livrets, c'est juste magnifique. Il y en a plusieurs, comme d'habitude. Donc un look très, très agressif, je crois que de tête c'est position centrale, je ne sais plus exactement. Bref, elle est vraiment vraiment belle, super bien modélisée, comme d'habitude. C'est du beau boulot. Ah ouais, c'est de rapporter du contenu sur MS2. Voilà. Alors, je vous laisse avec ça. Je mettrai peut-être en vignette le. De toute façon, je mettrai dans la description le lien de tout ça. Parce que ça a été trouvé sur un Discord, c'est pas sur le site internet, mais je vous mettrai dans la description, et en plus, je vous mettrai peut-être soit en vignette, soit dans la description, le lien de la vidéo pour installer tous ces mods. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, on va partir pour une petite course de 5 tours sur ce combo. C'est parti. Allez, on est donc parti pour 5 tours sur ce circuit de Mugello, la version longue. Il y a de tête à 97, j'ai mis l'agressivité bas pour éviter de se faire défoncer à tout va. Véhicule. Alors je vous ferai un petit sondage, je ne sais pas si ce sera derrière sur un post ou alors dans la description de cette vidéo, mais pour au moins savoir si vous utilisez, pour ceux hein, bien évidemment qui utilisent MS2, qui roulent sur MS2, si vous avez installé des mods, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, ça existe depuis un bon moment maintenant, je sais que ça a ses limites, mais savoir si vous y roulez, que ce soit en offline ou même en online, puisque c'est possible, je vous rappelle. Assez curieux de voir ça. Allez, on est pas mal placé ici. On fait l'inter. Allez. Bien mieux ressorti, on se prend l'Audi. Deuxième Audi là-bas. Oh, alors lui, d'où il vient lui? Oh, wow, ta Bentley est un petit peu fou toi. Tu pourrais rouler dans les lobbies publics toi.
11e, on a gagné un peu de place. Alors ça fait un petit moment qu'on n'a pas de nouvelles du studio de Reiza. Alors ils ont charbonné en fin d'année pour nous sortir le pack endurance. Là il y a un couac. Allez, on va essayer de le prendre ici. C'est pour un pack endurance. Eh bien, il n'y a pas de swap pilote. Ça, ça commence tout doucement à faire grâce. C'est quelques dents. On en veut toujours plus. Ça, c'est évident. Peut-être même dire que LMU, dans sa version Early Access, ne propose pas non plus de swap pilote. Mais bon, ça reste une Early Access. Donc, on ne va pas parler de ça pour l'instant. C'est vrai que depuis le temps qu'ils nous en parlent sur MS2, là, ça va commencer à devenir un petit peu urgent et c'est quelque chose qui devient un petit peu inquiétant puisque quand on connaît la qualité un peu du online de MS2, alors, si on essaie, ça passera pas à l'inter. Oh, quoique. Oh, non, oh là là. Allez, on va se le prendre, on va essayer de se le prendre derrière les personnes. Gros frein. Limite blocage de roue que j'ai senti dans la pédale. On est bien placé pour la terre. Il y a un peu de tout, hein. Petite BM là ici. Pleine balle là, je sais pas si je vais pouvoir en profiter. Il faut freiner un peu, relâcher. Il y a de la Renault, il y a de la BM, il y a de l'Audi. Allez, on est mieux ressorti. On va se prendre l'extérieur et ça passe. Allez, place-toi à la BM. On va se mettre à l'intérieur ici. Laisse un peu de place. À ma droite, je crois. Renault est à l'honneur, j'en ai pas mis plus que les autres, hein. J'ai fait du multiclasse donc j'ai pas choisi le nombre de véhicules par catégorie. Avant dernier tour, une course intéressante, pour l'instant je suis 5e. On mord un peu ici. Allez à fond. Là je vais pas pouvoir le prendre au mieux. Peut-être ici. Il a failli me dégager. Le retour du soleil. Allez, on est aux portes du podium. Il va y avoir un dernier tour. Un leader, il est là-bas tout au bout. Je sais pas ce que c'est. Allez, je ressors mieux, je vais peut-être pouvoir aller l'attaquer.
dernier tour. Large ici. Allez, il n'y a pas d'IA pour me déranger. Là, ça fond normalement. Aussi. Avec Eufren, il y a peut-être moyen de revenir. Ouh, c'était chaud. Non, ça passera pas. Ici. Ah, c'est dommage, j'ai pas pu me battre contre lui. Bon, c'était une belle course quand même, en plus c'est un superbe combo. Je vous le conseille, non, il était plus rapide, je n'ai rien pu faire. Alors, magnifique circuit qu'on connaît hein, quasiment tous, hein, je pense que c'est un des circuits à connaître. Voilà pour cette course, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Nous on se dit à une prochaine. Tchuss.